Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est toujours le vôtre, Étienne Symphorien Balordaï, de TVI du peuple RD Congo. Eh bien, ça fait belle lurette, hein. Ça fait un bail, mais bon. Nous sommes là pour intervenir et contribuer de temps en temps à partager avec vous l'actualité. Alors, après Bruxelles, le président de la République est arrivé à New York. Voilà. L'Assemblée générale a débuté aujourd'hui ce mardi. Les présidents des républiques différentes, les chefs des plus. Eh bien, nous allons vous en montrer. Mais avant de vous montrer les différentes images, nous allons vous montrer une publicité d'une nouveauté. Nouveauté parce que nous sommes uniques en ce genre-là. Évidemment, il y a d'autres propositions parmi les compatriotes de mutuelles de santé, de assurance maladie. Mais nous, on est unique et c'est tout nouveau du fait que nous proposons 1 dollar. 1 dollar de cotisation mensuelle. Donc, si vous cotisez 1 dollar, vous avez votre carte de mutuelle. Vous aurez droit à une ambulance gratuite. Vous aurez droit également à une consultation gratuite. Ça va s'appeler, ça s'appelle déjà SAMU Congo parce que nous avons déjà une adresse sur le boulevard du 30 juin. Et nous allons aussi lire ensemble avec vous un sujet qui a été publié dans les médias, que désormais les enseignements de et les enseignants des écoles primaires et secondaires vont toucher 245 dollars US. Donc chaque mois. C'est pour la première fois et donc à partir du mois d'octobre. Ces enseignants ont jusqu'à présent été diabolisés par, donc laissés pour compte par les gouvernements précédents depuis l'époque de Mobutu. Je me souviens quand j'étais jeune, 20, 25 ans, 30 ans, être enseignant c'était honteux, même on ne savait pas se présenter même comme enseignant. Quand on voulait se marier par exemple, un enseignant c'était un malheureux, un militaire. C'était un malheureux. Et voilà, pour la première fois, sous l'ère de Félix Tshisekedi, un enseignant peut désormais avoir de la valeur. 245 dollars par mois. J'aurais souhaité même 300 dollars par mois. Mais c'est déjà un pas. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, du nouveau en République démocratique du Congo. Service d'aide médicale urgente, en abrégé ou en sigle SAMU Congo. SAMU Congo. Donc, Ezali Lokutate, Ezali ya solo, Ekobanda Kalamingite. Numéro d'identification nationale Nabiso Ezali 01 822 N 51 57 6 H. Ezali Société Moko déjà enregistrée. Donc, Okozala, na mutualité, na yo ya assurance, pona 1 dollar, 1 dollar ya pamba. On foutit 1 dollar, bah, pécio carte. Carte n'a plus l'ango. Plus. Et là, qui c'est l'okoyeux à Kanalikolo, donc, tu es bien, bon, comment la carte, wana. Donc, et cause à la valable pour la consultation médicale,
Aucun des pas docteur, aucun fauteuil au mon côté. Posa ma assurance wana. En cas d'urgence, au bengi ambulance. Ambulance et kozala ma commune nayo. Voilà la modernité comme en Europe. Bana betouba suibwe, boalou, boufia, boufia. Mutualité, mutualité et assurance. Assurance maladie. Bon, ambulance. Ni métier en cabine. Ou du fouta $1 ou fouta carte keba. Ou du yako docteur, quoi nous fouta chin tout or. Koko kui kale lukasa lukasa, ani urgence. Toujours tout mina ambulance, ani oubi ki la kou numéro. Bon, nous disons carte, pas de carte, pas de numéro. Ou du oubi ki la badi wako tu mina ambulance, ou y a ton mou lufitagi. Voilà. Wandugu wapenzi, hii ni mambo ya kushanga, mara ya kwanza, tuko na SAMU Congo, Service d'Aide Médicale d'Urgence. Wani urumie juu ya Kiswahili chango, niko nasema vile vile, me tutasikilizana. Donc utalipa tu, $1. $1 ya puli, utapata karti yako ya... mutualité et assurance. Donc, il est carte et il t'a pour permettre ou un de quoi docteur. Haoutali Pakito à ta moya. Donc, tout qu'on a numéro ou carte, il est comme ou qu'on a urgence ou naïta qu'on numéro, il est banakoutoumi ambulance. Ça, oui, ou qu'on a ona. Voilà. Société yetu ni sasa, donc iko enregistré numéro national iko pale mukonaona. Voilà, adresse yetu ni ku boulevard du 30 juin. Kama una penda una di enregistré hapa gratuitement pasi pokulipa. Il est ça tout anza kazi mu miezi mbili au tatu itakuya. Tutakuita ukuye kulipa $1 yako. Voilà. Bampangi ya munu. Moza bave kutuba mingi kikongo. Kasi. Yai. Yai kele sosete ya. Ya mupia. Voilà. SAMU Congo. Service d'aide médicale d'urgence. Ngeke futakaka $1 ya pamba. Nge kwenda kwa docteur, nge kefutave, ki mave. Voilà. Kanange kele na, na mbangu mbangu. Donc, betu ke, ke pesa benu ambulance. Ambulance yao ina. Voilà, enregistrement. Yao ina. Donc, voilà. Bande konabiso. Donc, bon s'enregistrer, bon s'enregistrer, et belé. Et Zali gratuit. Voilà pour s'enregistrer. Ici, nous sommes à la page d'accueil. Ce n'est pas très compliqué. Vous cliquez ici, enregistrez-vous. C'est gratuit. Voilà. Une autre page va s'afficher, vous voyez là, nos abonnés. Voilà, notre direction générale se trouve là, 30 Colonel Ebeya, Kinshasa Gombe. Le téléphone est là, 00243 ou plus 243 84 055 0021. Notre email est là. Nous sommes sur Facebook, comme vous pouvez le voir. Et l'enregistrement gratuit est là. Vous vous enregistrez. Alors, concernant l'abonnement, vous avez deux sortes d'abonnements. L'abonnement mensuel et l'abonnement annuel. Alors,
comme explication, pour 100 000 enregistrements, ça suffira pour vous fournir 5 ambulances, une clinique mobile, une salle d'urgence moderne. Inscrivez-vous gratuitement et soyez parmi les 10 000 chanceux qui auront un abonnement gratuit. Vous savez, nous avons 12 millions à peu près, ou 14 millions, c'est à peu près. Bon, on n'a pas les estimations exactes. Donc, nous sommes sûrs et certains que nous aurons plus d'un million d'enregistrés, mais sur déjà 100 000 enregistrements, nous vous informons que ça suffit pour vous fournir 5 ambulances, une clinique mobile, une salle d'urgence. Et ce, pour 1 $ seulement de cotisation mensuelle. Voilà, chers compatriotes, enregistrez-vous, c'est gratuit. Merci, à la prochaine. N'oubliez pas, SAMU Congo, assurance maladie, juste pour consulter le docteur et bénéficier de l'ambulance. Quant aux médicaments, ça viendra progressivement. À l'arrivée du président de la République à New York, il a pu rencontrer le docteur Denis Mukwege et ils se sont donné une accolade qui restera historique. Eh bien, le docteur Denis Mukwege se trouve à New York pour également participer à l'Organisation des Nations Unies. Il est parti défendre son fonds global, pas seulement pour la République démocratique du Congo, un fonds global pour le soutien des victimes des violations sexuelles, les femmes bien sûr. C'est une accolade qui restera historique parce que ça faisait un moment que le docteur Denis Mukwege s'était éloigné des affaires politiques du Congo, en ceci qu'il ne s'est pas intéressé à l'investiture du président de la République. Pour lui, ça s'était mal passé. Il y a eu également des rumeurs selon lesquelles il aurait été sollicité comme Premier ministre et il aurait décliné cette demande suite à ce qui s'est passé. Vous savez très bien comment, dans quel climat s'est déroulé, où se sont déroulées les élections et présidentielles et législatives, surtout les législatives, ça a été une catastrophe. Eh bien, c'est le passé. Bon. Et il paraît qu'ils ont été majoritairement nommés par le PPRD ou l'ancienne majorité présidentielle. Des raisons qui poussaient le docteur Denis Mukwege à ne pas du tout s'intéresser à ces élections. Mais là, apparemment, la page est tournée parce qu'ils se sont donné une accolade. Bien sûr, ils se sont dit des choses favorables à l'épanouissement de l'alternance. Voilà, regardons. Au président de la République pour que en fait la République démocratique du Congo soit parmi les États qui vont soutenir ce fonds qui est déjà soutenu par certains États, mais pour moi, il est très très important que la République démocratique du Congo soit parmi les premiers pays à soutenir ce fonds global qui ne sera pas un fonds congolais, mais qui va soutenir toutes les victimes à travers le monde. Il est très favorable par rapport à cette idée, et donc nous sommes satisfaits. Je suis citoyen congolais et à chaque fois que je peux avoir à discuter avec le président de la République, s'il me donne l'occasion, pourquoi pas. Tous les 193 membres qui font partie des Nations Unies vont être présents à cette session générale qui va ouvrir ses portes ce mardi à partir de 9 h à New York.
session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui verra pour la première fois la participation de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC. Le thème de cette année est un grand thème, un thème qui voudrait parler d'une manière globalisante sur la volonté de pouvoir faire des efforts communs pour éradiquer, un, la pauvreté, augmenter la qualité de l'éducation, mais également porter des efforts sur le climat et un peu plus d'intégration entre les nations. Le président de la République de la RDC va intervenir ce jeudi 26 septembre à partir de 19h heure de Kinshasa et la presse présidentielle que nous représentons à partir de New York se fera l'effort de pouvoir vous faire parvenir ces images en direct. Une retransmission qui sera également suivie sur les chaînes de nos radios locales. Félix Tshisekedi Tshilombo est arrivé accompagné de Madame Denise dimanche aux petites heures, 3h du matin. Et déjà hier, dimanche, il a pu participer à la première réunion informelle de la Banque africaine de développement et qui était pourtant une réunion privée pour laquelle il n'y a eu aucune conclusion telle quelle. Les portes vont s'ouvrir ce mardi à partir de 9h et nous croyons que la RDC qui est représentée non seulement par son président public, mais par également une délégation de quelques ministres des différents secteurs, environnement, on les a aperçus, quelques gouverneurs également, qui vont participer activement à ces travaux, de manière à ce que la RDC, comme on le dit, qui est PAC, puisse être entendue dans tous les domaines qui sont les siens. Ce grand rôle, vous le savez, mesdames et messieurs, de la RDC est attendu non seulement dans la sous-région africaine, mais également par l'Afrique et par le monde, vu ce que la RDC regorge, tant en minerais, mais également en forêt et en eau. Donc nous croyons que, encore une fois, la RDC cette fois-ci sera représentée valablement, de manière à ce qu'elle puisse reprendre sa place dans le giron des grandes nations. Félix-Antoine Tshisekedi, je répète encore, président de la RDC, interviendra du haut de la tribune des Nations Unies ce jeudi 26 et la presse présidentielle vous convie à suivre cette retransmission en direct sur la chaîne nationale RTNC bien sûr, mais également online, nous serons sur le compte présidentiel Facebook, nous serons également sur le compte Twitter de la présidence, mais également dans tous les réseaux sociaux. Donc mesdames et messieurs, rendez-vous est pris pour pouvoir vous donner d'une manière quotidienne les rendez-vous de notre excellence, le chef de l'État. Déjà aujourd'hui, il va participer à une réunion sur le climat, réunion qui va commencer tout à l'heure dans ce grand bâtiment qui est juste derrière moi, à partir de 9h de Washington, il sera sûrement 14h à Kinshasa. Le compte présidentiel Facebook, nous serons également sur le compte Twitter de la présidence, mais également dans tous les réseaux sociaux. Donc, mesdames et messieurs, rendez-vous est pris pour pouvoir vous donner d'une manière quotidienne les rendez-vous de notre excellence, le chef de l'État. Le président de la République a participé également à un sommet sur le climat avec plusieurs chefs d'État. Regardez. C'est plus de 52% de l'eau d'Afrique mariée à l'Église. La comparaison de cet écosystème pour ce que je dis, une crise grave, écologique, et déstabiliser la stabilité du climat dans le monde. Mesdames et messieurs, vous savez malheureusement que pour des raisons essentielles de la vie, la forêt de nos pays est menacée, à l'instar de celle de la Randonnée, ou encore le problème des Oui, vous rappelez environ 1 milliard de personnes dans le monde, soit plus de 20% de la population mondiale, dépendent des forêts et des services et autres pays, qu'elles fournissent notamment des aliments, des corps médicinales, du bois pour l'État et du bois pour la construction et l'énergie. À ce sujet, il est important de relever qu'environ 2 milliards de personnes utilisent le bois de chauffage pour la cuisson et le chauffage. Dans mon pays, pour ne citer que ce cas, environ 90% des ménages dépendent du bois énergie pour leur développement. La menace est donc sérieuse et nous devons absolument réaliser la transition énergétique en accélérant le développement et la promotion des énergies propres et renouvelables. C'est notamment dans ce cadre qu'il faudrait s'y confier les nombreuses initiatives au niveau de mon gouvernement et au niveau international. Parmi lesquels ce sujet est sans être exhaustif, au niveau national, 16,31 milliards d'arbres d'ici 2030 à travers le programme dénommé Jardin forêt, 1 milliard d'arbres, de sensibiliser la jeunesse au
au respect de l'environnement et de former des cadres universitaires pour la gestion responsable de l'environnement. Il s'agit de mettre en place une charte nationale de l'environnement et du développement durable, d'établir une cartographie forestière, d'évaluer les déconcentrations en biodiversité de Congo et de protéger les rivières et les communautés locales, tout en veillant à la bonne gestion des conditions forestières ainsi qu'au cadastre de la ville. Au niveau international, l'opérationnalisation et la promotion de l'économie verte et l'économie bleue en Afrique centrale et la mobilisation des efforts de la communauté internationale en vue de contribuer à la capitalisation du fonds de l'économie verte et du fonds bleu. La finalisation de la mise en œuvre législative sur les efforts de la communauté, la forme politique structure de gestion des forêts de la Madeleine, du bassin du Gomo et du Bordeaux du monde. La mise en œuvre de l'appel pour la promotion des énergies renouvelables de la vie centrale, ainsi que le principe d'intégration prioritaire comme INATO pour la République démocratique du Congo et 16 projets du programme d'électrification en son carrière sous la coordination du pool énergétique de la vie centrale. Dans ce contexte et considérant les besoins et les préoccupations des outils de nos populations, il est mort dans notre partie de ces forêts et des services écosystémiques et la tourisme, nous exemptons nous rappeler Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il n'y a pas que des informations politiques sur le président de la République ou les voyages du président de la République. Nous avons une heureuse information ici qui fait état du salaire que vont toucher les enseignants à partir du mois d'octobre 2019. On va lire ensemble. RDC, un enseignant va toucher 245 US dès le mois d'octobre. Bien sûr, en franc congolais, c'est évalué en dollars pour qu'on le comprenne sur le plan international. Et il faut dire aussi que c'est une des devises utilisé régulièrement au Congo. Alors, les détails. Selon un rapport de la commission composée des experts des ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique, du budget et des finances, et dont une copie est parvenue ce mardi 24 septembre à congoprofond.net, un enseignant va toucher 245 $ dès le mois d'octobre 2019, bien sûr. Mise en place pour examiner la faisabilité de la gratuité de l'éducation de base, cette commission a opté pour le réajustement de salaire de 410 284 enseignants payé tel que présenté par l'équipe d'experts. En outre, 34 740 enseignants seront pris en charge sur un effectif de 132 613 enseignants non payés selon le même rapport. Ah bon? Ainsi, une enveloppe mensuelle de 4 603 millions de dollars US, tout grade confondu, soit 13 811 000 dollars US, ouais, cette enveloppe mensuelle,
sera débloqué d'octobre à décembre 2019. Donc 4 600 et 3 000 par mois, et jusque décembre 2019, ça fera au total 13 811 000 dollars. Il s'y est de rappeler que l'année scolaire 2019-2020 a été lancée sous le signe de la gratuité de l'enseignement de base dans les établissements publics prônés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, nous avons partagé. Alors, ça ne vous empêche pas de donner votre point de vue. Notre objectif est toujours de partager l'information congolaise aux Congolais. Voilà. Alors, chers compatriotes, au revoir. Boutikala Malamu, Benubikalambote, Wandugwapenzi, Tunamaliza, Tutaonana, Kesho, Pampangiamono Yaluzoro, Benubikalambote, Betutamalana, Mbas. Bala Betubaswibwe. Shalaibib, Nitumunana. Chikondo chikwabu kuvideo mukwabu. Ana Lingo Amboshila.